extrait que vous allez entendre est paru il y a quelques mois et il portait le titre suivant. Municipal à Saint-Nazaire, il aboie pendant 7 heures contre le Front National. Suivi de ces quelques lignes, l'artiste Olivier de Sagazan a effectué dimanche, lors du second tour des municipales, une performance pour le moins surprenante. En effet, l'artiste a interpellé les électeurs en aboyant durant 7 heures devant les bureaux de vote afin d'attirer l'attention sur la montée du Front National en France et plus généralement en Europe. Son attitude a inquiété les témoins et a même suscité la visite de la police qui est venue s'assurer qu'aucun trouble à l'ordre public ne pouvait être constaté. Alors de son côté, l'auteur a posté sur son blog le commentaire dont voici deux extraits. Le ridicule ne tue pas. Pour autant, rester 7 heures sans bouger en aboyant devant un bureau de vote est une expérience douloureuse, physiquement et psychologiquement. Vous devenez la figure de l'absurde, d'un homme qui a ravalé sa langue et à qui il reste à expectorer violemment pour tenter d'éveiller une attention à son humaine condition. 18 heures, les bureaux ferment, je rentre vide. Ce fut la performance la plus pénible de mon existence. La mairie est bondée de monde, qui sans doute s'apprête, pour certains, à faire la fête. Encore un de ces grands soirs avant sans doute la gueule de bois. En attendant, j'aboie.